voit bien à cause de ça, grâce à ça. Hein. Donc cette plante-là, nos ancêtres utilisaient les racines. Alors on nettoyait bien les racines, on les découpait, ensuite on écrasait. Et une fois écrasé, lorsqu'on a un nouveau-né, surtout une fille, alors cette plante-là, elle sert à mettre dans la toutoune de bébé. Dans le biberon? La toutoune, c'est quoi? Dans la toutoune. Ah, la toutoune. La toutoune de bébé. Hein, dans la toutoune de bébé. Alors, on prend la plante, on écrase bien, on recommence. Hein, on écrase bien les racines, bien. Ensuite, on met dans un linge, du gaz, hein, le gaz. Ensuite, tu presses bien, comme ça, il y a le jus qui va couler. Alors ce jus-là, tu le mets dans la poupoune de bébé. Et tu fais trois matins. Alors, trois matins, tu fais ça. Au bout de quatrième, cinquième jour, là, tu vas voir que ça, il va sortir une sorte de graisse de la toutoune de bébé. Là, c'est comme la graisse de cochon que tu vois. Hein. C'est ça qui va enlever ça. Et ça permet, enfin, d'après nos ancêtres, ils disaient que ça, c'était pour que la petite marquisienne ait toute une propre. Hein? Il n'y a pas de comment, les glaires et puis, comment on appelle. Quand elle va grandir, hein, elle a toujours, y a pas, ça ne va pas couler, quoi. Hein? Pendant toute ça. C'est pour les filles alors? C'est pour les filles. Et ça s'appelle comment? Comme plante? Alors là, je sais plus. Elle a des pics, c'est ça? Oui, là. Hein? Comme ça. Comme ça. Hein?